quand il est descendu, là, il est parlé. C'est qui est sûr, il a fait mis en état là. Le SG quand même à l'aide en fait. Et va moi le monsieur était là. Une très très grande nouvelle, mais une petite nouvelle pour marquer notre solidarité. Nous savons que les populations souffrent avec la présence des moucherons. C'est pas grand chose. C'est vrai que le gouvernement a promis beaucoup de choses. La situation est encore difficile. Nous n'avons pas encore pu réaliser un seul projet pour la région. Mais c'est en cours. Nous travaillons sur la réalisation des projets. Mais au moins, nous nous sommes dit que nous allons marquer notre solidarité envers les populations, en les aidant, en essayant un tant soit peu d'effectuer un traitement phyto pour éradiquer, ne serait-ce qu'un tant soit peu, les moucherons qui rendent un peu la vie difficile à nos populations. Oui. D'accord. Donc c'était ce petit message là à faire passer à nos populations. Leur dit qu'on ne les a pas oubliés sur les projets qu'ils ont, les projets communautaires qui doivent être réalisés dans la région. Nous n'avons pas oublié ces projets-là, mais nous démarrons déjà par le traitement phyto dans la région. Et donc, vous allez présenter les agents et le processus qui va se dérouler pendant une semaine dans la région pour aider nos populations. Merci. Donc, on va dire merci d'abord à Monsieur le maire, parce que chaque fois qu'on est venu dans le département d'Akiguakuro, il a laissé son titre de maire pour se mettre à notre service,
hein, en traduisant, en facilitant, en faisant la médiation pour que vraiment le séjour et l'objet pour lequel nous sommes là, hein, soit fait dans les meilleures conditions. Donc moi, je souhaite que vous puissiez vous aussi l'applaudir, parce qu'il a demandé qu'on nous applaudisse, mais il faut que nous aussi on l'applaudisse. Parce que si vous voyez que les gens de Moro-Kinkro sont venus jusqu'ici, si les gens de Gofabo et de Tukuro-Kinkro sont venus ici, c'est parce que vous avez pensé à lui. C'est grâce à lui et par lui aussi que vous êtes venus. Et nous voudrons vous remercier. Vous savez, c'est vrai que nous ne sommes pas nombreux. Mais quand on commence quelque chose, ce n'est pas le nombre qui compte. Quand on commence quelque chose, ce n'est pas le nombre qui compte. C'est la qualité des gens qui sont là. C'est la détermination des gens qui sont là. C'est ce qui est le plus important. Or, on voit qu'il y a le chef de Gofabo, il y a le chef d'Abo Kwame Kro, il y a le chef de Kwamwa Dibikro, il y a les responsables, le chef de Tokure Yaokro, il y a les femmes, Moroccan Kro, il y a les femmes, il y a les jeunes, et puis on sent qu'ils sont déterminés. Donc ça nous suffit. Ça nous suffit. C'est ce qu'on veut. Parce que votre détermination, votre volonté, ça va réagir sur le reste de la population et ils vont soutenir le projet. Donc ce que moi je vous demande, c'est de croire au projet. On est venu ici il y a un an et demi avec le maire. On s'était réunis à Tokure Yaokro. Oui, quand on est venu là, c'était dans l'autre village. Et on vous a dit que le parc d'Abo Kwame Kro va être remis en état. Et que cette fois-ci, contrairement à la fois dernière, nous allons solliciter une grande participation des populations. Les populations riveraines vont être impliquées. Et vous aussi, vous nous avez demandé, en tout cas, vous nous avez présenté un certain nombre de préoccupations. Et donc, ce sont ces préoccupations-là que nous sommes en train, doucement, de satisfaire. On a mis le courant, il n'y a pas longtemps, dans un des villages, à Abo Kwame Kro, à Kayaokro. Il y a un projet de la dame blanche qui est avec nous, de construction d'une école à Kwamwa Dibikro et Tokure Yaokro. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas construire des écoles, on ne peut pas faire des routes, on ne peut pas faire des routes pour des cadavres. Il faut des gens en bonne santé. Il faut des gens vigoureux. Si on doit aller à l'école, il faut des gens vigoureux pour faire des enfants. Ou bien, voilà. Si on doit faire, on fait des routes, il faut des gens vigoureux pour faire le commerce, pour faire le transport, des gens en bonne santé. Et donc, on a souhaité commencer, on va continuer, mais on a souhaité commencer par le traitement des moucherons, des moustiques. Et donc, c'est cette opération que nous sommes venus faire. Mais c'est le début d'une opération qui est de plusieurs opérations qui vont venir. Je vous ai parlé de la construction de l'école, je vous ai parlé de la route jusqu'à Moroccan Kro. Parce que je dis ça parce que la route de Moroccan Kro, c'est pas ce qui est facile, hein, monsieur le maire. Hein? Donc, moi, je voudrais vraiment vous remercier. Je ne vais pas être long. On n'est pas venu pour parler,
on est venu pour agir. Et donc, je ne vais pas être long. Je voudrais vraiment vous remercier d'être venu et puis de ne pas vous décourager. On ne vous apporte pas de l'argent, c'est vrai, mais on vous apporte de l'argent d'une autre manière. Parce que quand vous êtes en bonne santé, vous ne dépensez pas de l'argent que vous n'avez pas. Donc, c'est aussi une façon de vous apporter de l'argent. Hein? En faisant en sorte que vous soyez en bonne santé, en faisant en sorte que vous ne partez pas à l'hôpital jusqu'à Yamoussoukro, parce qu'il faut payer le transport, il faut manger chez quelqu'un, il faut payer les médicaments, il faut attendre à l'hôpital. Docteur, hein? Ils attendent beaucoup à l'hôpital. Hein? Tout ça, on va vous épargner en faisant en sorte que vous soyez en bonne santé. En tout cas, merci d'être venu. Et puis, prenez soin des infirmiers, des agents qui vont traiter votre environnement. Il faut bien les recevoir. Mais attention, il ne faut pas leur donner femme. Oui, on se connaît. C'est pas une bonne réception. Ouvrez-leur leurs portes. Ouvrez vos portes. Quand ils pompent, il ne faut pas aussi rester là. Tout à l'heure, ils vont vous donner les dispositions. Hein? Mais il ne faut pas dire, ah, ici là, moi, on ne rentre pas. Ici là, on ne peut pas rentrer. Bon, il faut, s'il y a le canari avant qu'il vienne là, enlever. On est africains, hein? Donc nous tous, même nous qui parlons là, chacun son petit canari aussi. Voilà. Donc, s'il y en a enlevé, ils vont faire, quand ils vont finir, vous allez mettre. Parce que s'il y a une partie de la maison où ils ne sont pas rentrés, ça ne peut pas marcher. Voilà. Hein? Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Hein? Merci beaucoup. Merci, chers parents, population riveraine du parc d'Abo-Kwame-Kro. Comme l'a signifié les uns et les autres, je suis le nouveau préfet du département d'Atiégouakro en remplacement du préfet qui a été affecté à Mbayakro. Cependant, je viens à peine d'arriver. Je vais effectuer une tournée de prise de contact avec tous les villages du département d'Atiégouakro afin que, comme on le dise, nous lavions le linge sale entre nous pour que je puisse transmettre à qui de droit vos besoins et vos revendications pour votre bien-être. Cependant, nous sommes venus ici ce matin, comme l'a dit Madame le DG, pour une bonne petite nouvelle. Je ne pouvais pas rester en marge de cette opération puisque c'est le travail qui commence. J'ai hâte de connaître la population avec qui je dois travailler. Donc nous sommes venus dans le cadre du traitement phytosanitaire de vos différents villages afin de promouvoir votre santé, de sauvegarder votre santé pour votre bien-être. Et donc je ne pouvais pas rester en dehors de cette mission. Nous sommes là ce matin, dans ce cadre, tout ce que nous avons à vous dire, c'est tout simplement de soutenir le projet, afin que le projet soit une réalité, afin que l'objectif que s'est assigné Madame le DG et ses collaborateurs soient atteints, et que nous ayons en face de nous des populations en très bonne santé, pour continuer, je ne dirais pas amorcer, mais continuer le développement de vos différents villages. Donc, ceci étant, Monsieur le Préfet, je leur dis merci et je vous dis merci aussi. Nous aurons l'occasion de nous entretenir en fond et en large. Je vous remercie. Madame Koulibal Mouadou, je reprends l'antenne régionale des jeunes publics de Yamoussoukro. Nous venons apporter notre modèle contribution à l'opération de désinsectisation que nous avons menée ce matin. Au fait, les insectes sont à la base de plusieurs maladies aujourd'hui. Donc il y a lieu franchement de diminuer considérablement ces insectes-là. Et maintenant, nous vous demandons, lorsque l'opération va commencer, de laisser les portes, les fenêtres ouvertes, les toilettes également. Tous ceux qui ont les vêtements accrochés n'ont qu'à les décrocher pour mettre soit dans une valise ou bien dans un sac. On va entrer dans les chambres, si possible,
franchement, on va prendre tout en compte. Donc, je vous demande, oui. Voilà, oui. Non. Moi je pense que là, il va te charger. Oh oui, on va. Vraiment dans les villages même avec ces insectes là, parce qu'on dit que ces insectes là rendent les hommes aveugles. On a beaucoup peur avec ce lancement de ce projet. Vraiment, j'espère que c'est un grand soulagement pour nos populations. En tout cas, nous, on est beaucoup soulagés. Merci monsieur. Mon impression, c'est que bon, vraiment, cette opération est la bienvenue, puisque bon, nous on souffre beaucoup de ces gens de moucherons. À chaque fois, bon, oui, à chaque fois, on a la visite de ces bêtes-là et on n'est pas tranquille. Et puisque, bon, ce détour lac est venu s'associer à nous pour que ces insectes soient éradiqués. Éradiqués, ça me fait beaucoup plaisir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il n'y a pas de caca dedans. Tu vois, ils ont fait ça comme si il y avait 4 caca.